jour de la rentrée, une jolie blonde est arrivée. Direct, il a repéré, il s'est mis à l'espionner. Deux jours après, il a ses coordonnées. Il l'a ajouté, il lui a parlé à ses blagues d'une aile rigolée. Le lendemain, elle le salutait. C'était pas une fille facile, tout le monde est prévenu. Sans l'aide de personne, il a voulu. Tous les soirs, il continuait à discuter. Au fur et à mesure, les sentiments apparaissaient. Une après-midi, ils se sont retrouvés. Sur ses genoux, elle s'est confiée, c'est tous ses péchés. Putain, tu saoules, bouge ton cul là! T'es casse-couille, bordel! Putain, mais laisse-moi tranquille, pour une fois que c'est moi la première! Ah ouais? Et je me maquille comment moi, madame? Je sais tout! Parce que tu crois que le maquillage va tenir sur ta gueule de conne, toi? Putain! À ce soir, bisous! Bonjour à toutes et à tous, asseyez-vous. Alors, je me présente, je m'appelle Madame Berdy, je suis votre professeur de lettres ainsi que votre professeur principal pour cette nouvelle année scolaire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et je vais faire l'appel. Kenzo. Lève la main, merci. Marie. Présente. Merci. Carla. Merci. Vous pourriez fermer les rideaux, s'il vous plaît, dans le fond. Mais vous pouvez pas faire attention à ça. Ferme-la un peu ta gueule. Il est midi, vous pouvez partir. Mais j'ai ça m'envrie. Parce qu'on n'a pas assez de teaser. Ouais, c'est ce que m'a dit. Non, mais de quoi qu'est-ce que t'as dit coup de quoi qu'il... Genre Kai et tout, il m'a dit on n'a pas fait la promotion, tout ça. Toujours foutu même deux lui, jours, même deux lui, jours lui, le savait pas. Et pour ton clip qui est sorti il y a pas longtemps, ça a donné quoi? Oh, tu nous écoutes là? Oh oh. Non, tu veux pas. Bah en fait... Bon allez, bouge, c'est pas que ça fait. Non, c'est bon.
Oh, il y a une nouvelle meuf dans notre classe. Ah ouais, depuis quand? Depuis la rentrée? Ouais, depuis la rentrée, elle arrive aujourd'hui, comme elle est fraîche. Ouais, je l'ai vu. C'est qui? Marie. On est dans la classe, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi tu m'as arrêté? Pour tout à l'heure, tu voulais me dire quoi? Bah en fait, je te trouve plutôt mignon et j'aurais aimé avoir ton numéro. C'était pour ça? Mais pourquoi t'as pas osé? Tiens, j'ai préparé mon texte. Merci. I won't understand a single thing. I want to give you a compliment. But you would just see it as an offense. There's no sense. There's no sense, there's no sense. Being the self-seeking person that I am, I don't know if I'll ever get you, man. In a self-seeking person like you are, this ain't wrong. Sometimes communication doesn't work correct. So the next few lines I'm using words like them. With me. Suddenly there are things that I've never said about. I don't want those, but your comments keep freaking me out. I don't care now what comes out of my mouth. A lot of hurtful stuff, probably screams and shouts too well. Stunning what I'm capable of. It doesn't matter what I do, I'm just not able to love. Enfin demandé de sortir avec, je suis trop contente, je suis aux anges. Mais c'est trop bien, je suis trop contente pour toi. Vous êtes trop mignon. Hello, tu dis rien? Si, si, enfin, je suis contente, enfin, c'est juste que ça va un peu trop vite, non, tu trouves pas? Enfin, vous connaissez à peine, enfin, bref, c'est mon avis. Mais non, mais dis pas n'importe quoi, ils vont trop bien ensemble. Allez, venez. Ouais. Hé les filles, vous savez pas quoi, Kenzo? Bon, tu nous saoules, tes sortes de Kenzo. En plus, je passe tout le temps avec lui qu'avec nous. Mais c'est vrai que c'est chiant à des moments. Vous êtes sérieuse là, Kenzo, il a raison. Je voulais pas mon bonheur, je suis dégoûtée. Ça va être... Il veut quoi lui? Il fait trop le fou, je suis sûre, impossible de nous aider de Marie. Mais calme-toi, Elo. Elle pensait pas ce qu'elle disait, mais elle est amoureuse. Oh les gars, Marie en fait c'est une fille facile, ça va. Ah frérot, je te l'ai pas dit? Si, tu m'as dit, mais pourquoi? Bah on dirait une chienne. Rien que tout à l'heure là elle est revenue vers moi parce qu'elle s'est disputée avec Elo et Léa. Juste qu'elle voulait, elle leur fait la gueule. Mais je vais ouais, bien je vais faire. Oh putain la tête. Ouais, hey, j'attends, tu viens comme prévu chez moi cet après-midi? Non, désolé, je rejoins sur le magasin. Pardon? Je crois que tu en parlais plus. Oui, ben ça va, ça a changé, j'ai pas le droit. Non, que ce week-end on n'a pas pu se voir, maintenant ça, tu veux plus de moi ou quoi? Ça y est, je passe du temps avec les filles, tout de suite, je t'aime plus, tu deviens parano mon pauvre. Oh, écoute-moi bien, c'est soit moi, soit tes potes. Lâche-moi! Ah ouais, tu fumes? D'où tu fumes? Comment ça tu fumes? Tu m'as pris n'importe pour qui quoi? Comment ça n'importe arrête quoi? Je t'ai vu là-bas. Hein? Tu me casses mais la tête. Qui pour me dire ce que j'ai comment fait, ça je suis qui? Mais je suis ton mec. Oh réfléchis. Tu sais réfléchis. Ce que je veux. Comment ça tu fais ce que tu... Tu manges du cochon et juste après tu m'embrasses? Tout est bon dans le cochon. Comment ça tout est bon dans le cochon? C'est galère. Kenzo, tu peux parler 2 minutes? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tiens, frère. En fait, je t'ai décidé à me reparler. Même pas ça m'appelle bébé, hein. C'est fini entre nous. Quoi? Je suis pas d'accord, moi. En quel honneur? Tu me saoules, j'en ai marre. On s'embrouille tous les jours, c'est pas une relation. Ah, parce que c'est moi le méchant maintenant. Je te rappelle qu'ici, tout le monde t'apprécie et c'est grâce à moi, sinon tu serais rien. Tu vois, tu tournes autour de toi tout le temps. Tu me dégoûtes. Mais vas-y, va. T'inquiète pas, j'aurai ma revanche. Mais tu vas faire quoi, en fait? Tu sais faire que des menaces? Ah, c'est bon, la petite Marie s'affirme. Je te rappelle que j'ai toujours les petites photos. Oh, il se passe quoi, là? C'est pas fini, ce bordel? Non, ne vous inquiétez pas, on révise une pièce de théâtre. Ouais, faites gaffe, je vous ai à l'œil, d'accord? Ouais. Allez, monsieur, je sais que t'étais faible, une fille fragile. T'es une putain de fille facile. Salut Kenzo, ça va? Ça va et toi? Oui.
Elle a quoi, Marie? Pourquoi elle est toute seule? Ah, rien, en fait, c'est disputé. Elle a dit des choses qui passaient pas, je l'ai quittée à l'autre. Marie, attends! Qu'est-ce qu'il a? Mais Kenzo vient de dire qu'il l'avait quitté. Quoi? Et tu crois en plus? Non, justement, c'est pour ça que je viens te voir. C'est moi qui l'ai quitté, jamais mort. Et tu commences à raconter de la merde. Allez, c'est bon, calme-toi, c'est rien. Take my hand and we'll go away to a different place. Float on air and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting winds tossing us around again. Je voulais te parler. Pour me dire quoi? Que je suis la plus grosse alors que tu connais? C'est bon, je sais, putain. Non, je suis désolé, je t'aime. Je voulais pas te dire ça, je me suis emporté. T'as cru que t'allais me récupérer comme ça? Casse-toi. Ouais, en vrai, t'as raison, en fait. Je m'en fous. Surprise! Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Allez, ferme ta gueule! Qu'est-ce que tu fais? Ferme ta gueule, c'est-tu, Youssef, champion? Mais lâche-moi ça! Tu la ramènes où, un pétasse là? T'en as envie? Allez. C'était parti. Du coup, je suis rentrée à pied, sauf que dehors il pleuvait, c'est tout. Mais tu es inconsciente, il aurait pu t'arriver n'importe quoi, t'aurais pu tomber sur un taré, imagine, il aurait pu te faire des choses. Oh, c'est bon, arrête avec ce mot, je suis fatiguée, je ne peux plus dire. Ça va pas, Marie? Ça va, je suis fatiguée. Fatiguée? Attends, t'as eu 2 semaines de vacances? Bon, bref. Tu sais quand les autres vont arriver?
Non, je sais pas. Elle est où? Oh oui, oh merde. T'as qui? Ah, salope. Tu fais quoi, mais toi? Mais toi là, qu'est-ce que tu fais? Bon, allez. Oh, je sors même pas mes affaires, donc ça. Tu peux rêver, moi aussi. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce que vous appelez communément les chiens en chaleur. Ah, ouais. Les gars, on va travailler sur Marie. Allez, les gars. Allez, casse-toi, ouais. Allez, casse-toi. Et. Tu vas où, Marie? Marie? Allez, vous pouvez ranger vos affaires. À demain. Marie, tu pourras venir me voir après? Merci. Les filles, vous m'attendez deux minutes, s'il vous plaît? Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Marie? Je te reconnais plus, là. T'as perdu ta joie de vivre. J'ai rien laissé tomber. Les filles, faut que je vous parle sérieusement. Vous savez, j'ai été 4 mois avec Kenzo et je l'aimais beaucoup. J'ai fait ma première fois avec, mais c'est pas ça le problème. C'est que je lui ai aussi envoyé des photos. Des photos, voilà quoi. Et il y a encore autre chose. Il m'a touchée de force devant ses potes. Il a publié des photos sur Facebook. On y croyait vraiment pas. Par contre, pour les attouchements, on est au courant de rien. Je suis vraiment désolée, les filles. Je voulais pas que ça arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. Marie, on va aller lui régler son compte à ce salaud. Non, non, surtout pas. Je veux pas. Mais Marie, faut que tu comprennes. C'est limite du viol, ce qu'il a fait. Je sais bien, mais je veux pas que vous ayez des problèmes, vous. Tu sais ce qu'on va aller faire? On va aller voir la CPE et elle, elle saura quoi faire. Allez, on y va. C'est parti. On voudrait voir une CPE, s'il vous plaît. Oui, attendez, je regarde ça sans problème. Non, je suis désolée, elles ne sont pas là. Est-ce que c'est possible de patienter deux petites minutes hein? Oui. Pas de problème. D'accord. Merci. Merci. Les filles, tu sais quoi, il y a la CPE qui est disponible, vous pouvez venir. Merci. Merci. Bonjour. 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 Je referme la porte, madame. Oui, refermez la porte. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Allez-vous. Vous venez me voir pourquoi? C'est parce que j'ai eu une agression sexuelle. Comment ça? Quand est-ce que ça s'est passé? Juste après. D'accord. Qui? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était mon ex-petite amie et je sais pas, dans les couloirs avec... Allez, je suis avec vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. S'il vous plaît, Laure, c'est assez important et urgent. J'ai besoin de voir Kenzo El Weda aujourd'hui. Vous pouvez aller le chercher en urgence en place. Merci. Madame Duvernet? Oui. Oui, voici Kenzo. Ah, bonjour Kenzo. Asseyez-vous. J'imagine que vous connaissez les raisons pour lesquelles je veux vous voir aujourd'hui. Non, pas du tout, je t'en prie. Non, vous ne savez pas. Non. Vous ne voyez pas. Pas du tout. Votre ancienne petite amie, vous êtes bien comportée avec elle depuis que vous êtes plus ensemble? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Eh bien, je vous confirme le contraire, jeune homme. Je vous vois sur les caméras. Je vous vois l'attendre à la sortie d'un cours et je vous vois l'agresser verbalement. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais si, je vous vois. N'importe quoi. C'est très visible. Je n'ai pas le son, mais vous. Bah voilà, votre regard, voilà, votre posture. Pas le son. Votre regard, votre posture parle de lui-même. Mais c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de preuve. Pas de preuve.
Écoutez, je suis désolée Kenzo, mais l'affaire est trop grave. Il va falloir que j'en informe la chef d'établissement et il y aura sans doute des procédures disciplinaires à votre encontre. Mais c'est des fausses informations. Sachez que vous risquez également un dépôt de plainte. Cette jeune fille doit se défendre. J'ai rien fait. Vous l'avez agressée. Mais non, pas du tout. Pourquoi êtes-vous arrivé là? Mais c'est elle aussi, c'est elle, c'est pas moi, je comprends pas. C'est ma faute, mais je suis pas le seul fautif. C'est elle, elle me force à faire ça. Non. C'est elle, elle m'a demandé. Vous avez confondu relation amoureuse, vous n'aviez pas son consentement. J'avais son consentement, elle était d'accord. Vous n'aviez pas son consentement. Elle était tout à fait d'accord. Non, il s'est passé des choses très graves. Ben, il va falloir que vous prouviez que... Je vais le prouver. Pourquoi serait-elle venue me confier des choses aussi graves? Je sais pas, parce qu'on s'est quittés et elle n'est pas contente. Elle est jalouse. Elle essaye d'inverser les rôles, je suis pas là. Je nie pas les faits. Mais non, je suis pas d'accord. Stop. Alors, on arrête là la conversation. Vous n'êtes pas en état de discuter maintenant. Donc, on va mettre fin à cette conversation. Nous serons amenés à nous revoir. La proviseure vous verra dans le cadre d'une procédure disciplinaire à votre encontre. J'en suis désolée. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais le harcèlement sexuel est trop présent dans les établissements scolaires, dans la rue. Si vous observez des comportements suspects, n'hésitez pas à en parler. Trop de personnes en souffrent. Le corps humain n'est pas une marchandise dont on dispose comme on le souhaite. L'amour ne se suit pas, il se partage.